Cette conférence de presse vient donner le ton à la deuxième édition de la Yosu Elite Basketball 2024. Ce championnat national amateur organisé par la Fédération Gabonaise de Basketball vient mettre en compétition l'ensemble des clubs issus des 9 provinces du Gabon. C'est la deuxième édition. La première édition s'est tenue l'année dernière. Je tiens à préciser qu'à l'issue de l'Assemblée générale du 3 décembre 2022, la Fédération Gabonaise de Basketball s'était engagée à mettre en place une commission ad hoc pour la restructuration de la Ligue nationale de le basketball, mais également de mettre sur pied un championnat national amateur. Nous avons donc mis en place un cahier de charges qui permet aux clubs de 9 provinces du Gabon de participer, de s'inscrire. Pour cette année, c'est 4 provinces qui prendront part à cet événement sportif. Aujourd'hui, à l'occasion du championnat national amateur, nous avons 4 provinces qui sont représentées. On a des clubs de 4 provinces qui ont souhaité participer à ce championnat. Ce sont des clubs que nous félicitons, qui sont portés vers l'international. Et la Fédération Gabonaise de Basketball et ses sponsors font le maximum pour aider les clubs, pour leur offrir du temps de jeu, pour organiser une compétition qui soit sécurisée. Outre les 7 millions de francs CFA destinés aux vainqueurs, dont 5 millions pour les hommes et 2 millions pour les femmes, la Fédération Gabonaise de Basketball et ses partenaires ont mis les petits plats dans les grands en prenant en charge les arbitres, les assurances aussi, en dotant chaque club des équipements nécessaires.